Les obstacles font partie de notre quotidien. Ils en font partie pour la simple et bonne raison qu'ils nous permettent d'avancer. Ils nous permettent de surmonter des étapes de la vie, des moments essentiels, des instants qui vont nous mettre à bout. Tout ça uniquement dans le but, parfois, de vivre un peu plus longtemps. Au cinéma, l'obstacle est une base d'écriture, une base de composition dramatique qui permet à un auteur de poser tout un ensemble d'éléments qui permettent à ses personnages de ne pas rester statiques, mais bien au contraire de pouvoir avancer et de pouvoir vivre une histoire extraordinaire, mais qui nécessitera de bouger et d'affronter quelque chose. Au cœur des sorties de cette semaine, cela prend la forme de beaucoup de choses différentes. Une bataille, une lutte, une simple survie, ou alors même un besoin d'expression, mais il faut combattre quelque chose que le monde nous demande de regarder et parfois de simplement supporter. Si l'on peut dire que la vie est semée d'embûches, cela n'aura jamais pris autant de sens qu'au travers des sorties de la semaine, toutes plus combattantes les unes que les autres, et toutes plus motivantes que possible ou imaginable. La vie est une longue et lente descente, qui peut parfois être ponctuée de quelques montées, mais la plupart du temps, il est indéniable qu'il s'agit plutôt d'un chemin complexe, qui demande souvent à ses participants de faire des constats, d'avancer en fonction de ceux-ci, vers un chemin qui leur demandera de se questionner au plus profond d'eux-mêmes. Les sorties de cette semaine vont parfaitement dans cette direction et nous offrent un regard assez unique sur nous-mêmes, mais également sur ce que le monde peut avoir de plus compliqué, de plus difficile et de plus intense à combattre. Mais peu importe cela, nous sommes plus forts que tout et nous sommes plus forts, unis qui plus est. Ainsi se retrouvent les sorties de la semaine autour de cette conception assez joyeuse de la lutte contre les obstacles, même s'il faut bien avouer que derrière, elle ne manque pas de combat, finalement. Celui d'un groupe face à l'évolution de notre monde, celui d'un gaulois et d'un druide face aux opinions du monde extérieur, celui d'un enfant refusé par sa mère qui va devoir être accepté par le monde, ou celui d'une jeune femme qui va devoir combattre sa propre famille et sa propre personne pour ne pas perdre pied. Nous sommes au cœur d'une semaine charnière à l'aube de la fin de l'année, qui nous demande de comprendre que la vie est une lutte permanente contre un ensemble d'obstacles difficiles à cerner, mais toujours nécessaire pour comprendre que l'on peut avancer dans une direction salvatrice et nécessaire finalement. Nous sommes alors la base d'un tremplin qui nous permettra à nous, ainsi qu'à nos proches, de surmonter tous ces obstacles et d'aller toujours plus haut, toujours plus loin et d'être toujours plus forts.